Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Tao. Donc pour vous faire découvrir nos sacs de transport. Alors si vous êtes prêts, on va commencer. C'est parti! Alors en tout premier, le premier sac de transport de Tao, c'était celui-ci. Donc un sac de transport basique qu'on avait eu pas cher donc sur AliExpress, donc il se présente comme ceci. Voilà, donc en motif un petit peu léopard sur le dessus avec deux grandes anses et qui sont réglables pour pouvoir bien l'accrocher comme on veut. Il y a une petite poche donc à l'extérieur pour pouvoir ranger quelque chose, des petites récompenses ou un sac à crottes. Donc voilà, donc ça c'était le tout premier sac de Tao. Donc à l'intérieur il est comme ça quand on l'ouvre. Voilà. Donc celui-là, le tout premier, on ne l'avait pas payé trop cher et Tao l'aime bien quand même. Voilà, donc Tao met la tête dedans. Hein, Tao, viens, viens dedans, hop. Je sais même pas s'il rentre encore dedans. Viens, hop, viens dedans. Assis, assis ici. Oui, oui. Ah oui, il rentre encore dedans. Bah voilà, Tao il est dans le sac. Donc ça c'était le tout premier. Donc il est très sympa. Après il est assez simple par rapport aux autres qu'on a achetés par la suite. Donc voilà. Donc le deuxième que j'ai acheté pour Tao. Alors, Tao, tu descends. On va en montrer les autres. Viens, viens mon pépère. Oups. Ah bah voilà. Donc celui-là c'est vu. Hop. Alors le deuxième c'est celui-ci. Donc celui-ci, donc c'est donc un de marque bien sûr que j'ai commandé sur internet. J'avais dû l'acheter sur un site de déstockage il me semble. Donc celui-ci en léopard aussi, léopard bleu. Donc par contre lui c'est un de la marque Four Pets Only. Donc une marque très connue pour les chiens au niveau des sacs de transport, etc. Alors je vais vous montrer un petit peu de plus près. Voilà. Après de toute façon je vais vous faire des photos hein, donc vous verrez juste après. Il se présente comme ça, donc tout en fourrure en fait. Il faut savoir que Four Pets Only, il y a quelque chose qui est très bien, c'est qu'en fait eux leur intérieur il se déclipse. Donc comme vous pouvez voir, je peux enlever carrément la moumoute qui est à l'intérieur pour la laver. Donc voilà, alors je vais la remettre. Par contre hop, attends, tellement l'habitude de l'enlever. Non justement, je l'enlève jamais. Petite blague. Alors par contre pour la remettre. Ah ça y est. Donc voilà. Et en fait à l'intérieur, donc il y a une petite pochette, comme vous pouvez voir, pour ranger quelques récompenses ou sacs à crottes comme dans les autres sacs. Et donc il a des petits pompons aussi sur le devant. Donc voilà, donc le chien peut mettre la tête à droite ou à gauche. Tao, il va aller dedans ? Va dedans, hop, va dedans. Ah, j'ai oublié de préciser, sur le premier sac et sur ce sac là, il y a quand même une attache. Donc pour tenir le chien lorsqu'il est dans le sac, on sait jamais s'il saute ou quoi, c'est une sécurité. Hein. Alors, tu vas dedans? Va dedans Tao, va dedans, oui. Celui-là, l'habitude, je le laisse en fait toujours dans ma voiture pour quand on va quelque part ou quoi. Allez, hop!
Ça y est. Voilà. Donc Tao est prêt à partir. Voilà. Donc après, ça fait comme ça. Quand on l'enlève. Ah, j'ai oublié de préciser. Sur celui-ci, il y a une attache en fait qui permet de joindre les deux lanières pour pouvoir le porter en bandoulière. Donc, comme ça. Voilà. Tao est prêt? Tao est prêt à partir promener? Et voilà. Donc celui-là, c'est le deuxième. Tao descend. Descend. Hop. Donc le deuxième, c'est vu. Sachant que c'est pas le même prix. Hein. Sur For Pet Sunny, on part sur une gamme de prix plus élevée, bien sûr, que le premier sac que je vous ai montré, AliExpress. AliExpress, il me semble, j'avais dû le payer. Je sais même pas si je l'avais payé 10€ à l'époque. For Pet Sunny, je l'avais eu à 50%, il me semble, sur un site de déstockage. Voilà. Après, vous pouvez vous renseigner des prix hein, sur internet, il n'y a pas de souci, tout est indiqué. Voilà. Alors attends, Tao. Assis. Assis, pépère. Assis. Tu attends. Donc, reprenons. Alors, donc le premier, le deuxième. Donc, le troisième que j'ai acheté. Alors, je suis en train de réfléchir. C'est celui-ci. Oui. Donc, celui-ci, c'est un Wooflink. Faut savoir que les Wooflink, on peut aller en cabine, en avion, avec son chien. Ils sont homologués pour l'avion, donc c'est très bien. Après, il est très beau. Donc, comme vous pouvez le voir, alors je vais vous le déplier entièrement et vous montrer tout parce que là, bien sûr, il est laissé comme j'ai l'habitude de le mettre pour Tao. Alors, on va le fermer. Hop, donc tout est fermé. Voilà, donc là, donc c'est le devant. Donc le devant, voilà, il est comme ça. Donc comme un sac à main pour femme en fait. Et ensuite, il y a plein de poches. Par contre, ça c'est très utile. Donc il y a une première poche, donc là. Donc ou assez grande hein, où vous pouvez mettre donc par exemple vos papiers personnels si vous voulez pas prendre vous de sac à main. Et il y a une deuxième poche qui se situe à l'arrière du sac. Donc pour mettre ce que vous voulez hein, les produits, enfin les trucs pour le chien, ou moi j'y range les laisses, les gamelles et tout ça quoi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est bien grand. Hop. Donc c'est à petit pois à l'intérieur, hein. Donc c'est très joli, c'est en noir et blanc à petit pois. Je l'avais choisi neutre parce que bah je trouve que les sacs neutres c'est mieux déjà et voilà. Donc l'intérieur, alors comme vous pouvez le voir, donc il y a une petite grille d'aération qu'on peut fermer. Comme il est homologué pour l'avion, dans l'avion normalement ça, il doit être fermé. Donc on peut voir à travers là. Alors je vais vous faire un petit zoom, hop, voilà. Donc je vais vous l'ouvrir. Alors hop, donc il a deux fermetures éclair bien sûr et un scratch. Donc ensuite une fois que c'est ouvert, on a la possibilité de ranger dans la pochette arrière l'ouverture du sac. Comme ça au moins ça ne nous gêne pas. Hop, et moi j'arrange souvent dedans, comme ça on est tranquille. Alors à l'intérieur, alors je vais vous enlever ça parce qu'à la base ça c'est dans un autre sac, enfin on l'a eu en cadeau dans un autre sac, donc je vais vous montrer après avec quel sac on l'a eu. Donc l'intérieur il est comme ça, donc tout en petit pois. Voilà, il est assez grand, hein. Normalement c'est pour deux chiens il me semble, qu'on peut les prendre pour deux chiens. Il a une poche donc sur le côté qui s'ouvre, donc là vous voyez rien et hop, on peut voir donc le chien. Donc il y a une possibilité de refermer ça afin qu'on puisse voir le chien correctement et que ça ne nous gêne pas, que ça ne tombe pas en fait. Donc très pratique, comme vous pouvez le voir. C'est génial, donc je trouve ça tellement bien pratique. Après, ce sac franchement il est très bien. Niveau qualité, il tient, ça fait un moment qu'on l'a. Pour aller au resto, c'est très bien parce que c'est un fond dur en fait. Sur les côtés, c'est nickel. Après, ce que je peux dire, c'est qu'il est un petit peu lourd.
Avec le chien dedans, c'est un petit peu lourd, mais bon. Après, il est très bien sinon. Donc ce sac-là, donc Tao il a l'habitude hein, de voir ce sac-là. Et on a eu aussi un petit cadeau, c'était Julie qui nous l'avait offert pour aller avec le sac. C'est une petite pochette où on peut mettre les sacs à crottes, donc ce que j'avais fait. Voilà, une petite pochette donc qui s'ouvre par petite pression. Voilà. Donc ça on le laisse toujours accroché au sac, je trouve que c'est utile de l'avoir. Hop, je vais le raccrocher. Voilà. Tao, il va dans le sac pour montrer. Allez, va dans le sac, Tao. Hop. Va dans le sac. Hop. Hop. Ah, et la pochette sur le côté, elle peut s'ouvrir. Je vais vous montrer aussi. As. Allez, allez, mon gros. Allez, Tao. Ah, c'est quelque chose quand Tao, il monte dans le sac, hein. Ouais. Très bien. Très, très bien, mon Tao. Donc, on va montrer. Alors... Hop, donc avec Tao. Donc voilà, donc une fois que Tao est dedans, donc on a la même possibilité que sur l'autre sac, c'est-à-dire qu'on peut attacher les deux anses afin de pouvoir les réunir en une seule pour le mettre à l'épaule, c'est bien plus pratique. Donc voilà, et donc Tao, il peut passer sa tête. Donc comme vous le voyez, on le voit là. Donc il passe sa tête et ici nous, on peut l'ouvrir. On peut ouvrir. Hop. Hop. Coucou Tao. Donc en fait, c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut l'ouvrir. Le chien, il ne sent pas enfermé dans le sac. Moi, souvent, de toute façon, je le laisse ouvert en haut. Donc, j'ouvre pas sur le côté, bien sûr. Et puis, voilà. Donc, c'est bien pratique tout ça. Hein, oui, Tao. Hop. Voilà. Et il peut sortir par là aussi. Hein, Tao, viens, sors. Viens, père. Tao, tu sors. Tu viens. Tu sors. Viens. Viens, sors. Bon, pour vous prouver, hop, il est sorti. Voilà, donc ce sac est très très bien. Donc il y a une attache à l'intérieur. Bon, par contre, c'est fait pour... À la base, c'est fait pour deux chiens. Mais il n'y a qu'une seule attache. Donc bon, après ça, vous pouvez rajouter des choses, hein. Mais c'est ça qui est très bien. Il me semble que le modèle c'est Glam Bag ou un truc comme ça. Glam Bag 2 ou Glam Bag, je ne sais plus. Voilà, donc très beau sac. Très bien. Un petit peu lourd, mais sinon bon, il n'a pas d'autres défauts. Donc on peut dire que c'est un bon sac qui permet d'aller en avion en plus. Donc pourquoi pas. Hein. Voilà, donc ça c'est le troisième. Ensuite. On va passer à l'autre. Tao, viens ici. Assis. Donc je vais vous mettre à chaque fois de toute façon des photos. Donc je vais vous mettre des photos avec Tao après et des photos du sac aussi. Je réfléchis, c'est celui-là que j'ai dû acheter après. Alors, donc celui-là. Donc il faut savoir que celui-là, je l'ai eu, il me semble, par rapport au groupe d'Agnès, c'est-à-dire Vintadog ou un truc comme ça. Un groupe donc de revente de choses pour chiens, donc c'est-à-dire des sacs, des laisses, donc ce sac était revendu donc parce que la personne n'en avait plus besoin. Donc c'est un sac qui se présente comme ceci. On dirait aussi un sac à main pour femme, hein. Enfin, hop, donc il est marron, il a de la moumoute, donc c'est un sac plutôt pour l'hiver. Et à l'intérieur en fait il a des petites roses. Tao, viens ici, viens. Alors donc reprenons. Assis. Donc il a des petites roses à l'intérieur. Donc il se présente donc comme ceci. Vous allez un petit peu voir. Hop. Voilà, donc il a
un fond, un moumoute qu'on peut enlever et laver et remettre. Très très bien. Je trouve ça vraiment très pratique. Hop. Et lui par contre à la base il est fait pour deux chiens et plus parce qu'il est assez très... Enfin il est assez... Il est très grand. Donc avec deux lanières à l'intérieur donc pour pouvoir attacher le chien pour pas qu'il se sauve. Et à l'intérieur il y a aussi des petites poches. Donc pour mettre ce que vous voulez. Donc il y a deux petites poches et une poche fermeture comme ça. Voilà, donc il a quand même des poches, donc c'est quand même pratique. Et à l'extérieur aussi, il en a une. Hop. Donc à l'extérieur, il en a une petite aussi ici. Voilà. Donc après, on peut aussi attacher les deux lanières ensemble et fermer les anses. Donc en le tenant comme ça, ou bien en le tenir en bandoulière aussi. Hop. Donc il a la possibilité de tout faire. Donc celui-là est très très bien, très très chaud. Tao il aime bien parce qu'il est à l'aise à l'intérieur. Hein Tao, viens ici. Hop, va dans le sac. Va dans le sac. Hop, va dans le sac. Il aime bien, il est à l'aise. Après il peut, vous pouvez mettre plusieurs chiens. Là Tao il a la place royale dedans. Va dedans, hop dedans, assis. Tao, assis. Viens, hop. Assis, assis. Allez gros, hop. Assis. Assis dedans. Voilà, voilà, donc vous pouvez voir comment ça rend sur Tao quand il est dedans. Voilà, donc je vais vous montrer, hop, voilà. Donc quand Tao est dedans, hein, vous voyez plus que la petite tête dépassée. Hop. Donc il est comme ça, hop. Voilà, donc très bien. Je suis pas déçue, hein. C'est de la bonne qualité et... Il est pratique pour l'hiver en fait, il est très très chaud. Voilà, donc celui-là c'est bon, on peut descendre. Hop. Donc celui-là c'est le quatrième. Et après on arrive... alors... Je vais en fait donc je vais continuer à les dire dans l'ordre où je les ai eus, mais c'est plus ça qu'été après. Donc ensuite on a acheté ce sac, on l'a commandé sur Easy Dog. Donc c'est un sac donc plus été en bandoulière. Donc il se présente comme ça. Donc c'est de la marque Dogstasy. De toute façon je vais vous faire des zooms, hein. Hop. Et l'intérieur donc bah vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, hein. Moi comme c'est un sac d'été, il n'y a rien dedans parce qu'il aurait trop chaud, sachant qu'on peut fermer donc le sac avec une il y a un clip en fait qu'on peut clipser pour fermer le sac. Il y a bien sûr attache pour pas que le chien se sauve. Et ça vraiment c'est le plus léger, c'est super pratique pour emmener le chien l'été ou quoi. Donc vous le mettez en bandoulière comme ça et tranquille en fait. Au moins si vous allez dans des endroits où le chien n'a pas le droit d'être par terre ou avec vous en laisse, et ben au moins il est en sac tranquille, personne l'embête. Tout dépend après où vous allez, hein, mais voilà, ce sac là il est très bien. Donc je pense que vous pouvez toujours le retrouver sur Easy Dog. Pour ceux qui connaissent donc ce site, en tout cas elle est très bien. Nous on aime bien, celui-là c'est j'aime bien, je l'utilise beaucoup aussi. Donc ça ok, donc maintenant on a ce sac là. Donc ce sac là avec la couverture. Donc la couverture qui était dans le sac précédent que je vous ai mis parce qu'en fait je trouve que l'hiver le sac noir là qui est homologué pour l'avion, ça c'est plus chaud que la couverture qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait cette couverture là on l'a eu en cadeau. Donc pour le sac que je vais vous présenter après, la couverture c'est EJA la marque. Et elle est vraiment douce mais douce. Donc celle là je la mets en attendant là.
quand c'est l'hiver, je mets dans ce sac là. Et quand c'est l'été, après je lui enlève bien sûr, mais en tout cas pour l'instant je lui laisse parce qu'elle est tellement douce, elle est tellement bien et je peux lui mettre dans celle-là, donc autant en profiter. Voilà, donc je l'ai remis dedans. Alors, ensuite, donc ce sac-là, le sac que j'ai acheté, donc c'est For Pets Only encore. Très léger, très beau, marron. Alors il se présente comme ceci, donc avec un petit nœud, enfin un gros nœud. Donc il est tout transparent en fait. Le sac For Pets Only, donc il est transparent, il se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, très très beau l'intérieur. Donc tout transparent, avec des petites lanières, un petit nœud. Et on peut l'attacher aussi en joignant les deux anses. Hop. Donc on l'attache et comme ça, on peut le prendre directement comme ça. Celui-là est très beau aussi. Donc on l'avait eu mais sur internet. Je ne sais plus quel site d'ailleurs. Donc c'est un For Pets Only. Hein. Hop, je vais vous montrer les détails. Vous voyez le petit cœur? Viens de toute façon. Viens là. Allez, on va montrer comment tu vas dedans. Viens. Viens dedans. Viens ici. Hop. Assis. Assis. Assis dans le sac. Voilà. Tao est prêt à partir. Alors je vais vous montrer donc comment ça rend avec lui. Hop. Hop. Et voilà. Donc il est très beau aussi. Plus pour l'été, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on a encore un seul sac à vous présenter, donc c'est un sac qu'on a acheté chez Tom & Co. Et après c'est bon, on aura fait le tour, hein. C'est déjà pas mal, Tao a déjà beaucoup de sacs. Bon ils sont sympas, ils sont tous différents. Donc on va montrer le dernier sac. Hop. Alors le dernier sac c'est celui-ci. Donc c'est un sac de la marque Bobby. Et c'est un sac noir. Alors il se présente, donc il a une grande anse, j'adore. Elle est immense et au moins elle est bien pour porter à bras. Elle se présente comme ceci, avec un petit os avec marqué Bobby. Une pochette pour mettre des sacs à crottes, donc sur le devant. Il se présente comme ça. Il a une petite particularité ce sac, c'est qu'il ne sert pas que à servir de sac de transport. C'est-à-dire qu'on peut lui trouver une autre utilisation. Alors je vous explique un petit peu plus. On a des pressions donc, qui se défont. Donc bien sûr, dans tous les sacs que je vous ai montrés, il y a toujours la petite attache hein, de sécurité pour permettre au chien de ne pas s'échapper. Donc l'intérieur, hop, on a une petite fermeture éclair, hop, et voilà. Et donc le sac s'est transformé en tapis. Donc franchement, génial. Si vous allez chez quelqu'un, le chien donc, peut s'allonger, peut rester... couché dessus, donc c'est à lui, il a l'habitude, donc c'est vraiment top. Bien, sachant qu'il est chaud aussi. Bon, il peut être utilisé quand même l'été, je pense. Hein. Mais sinon, il est très bien, très sympa. Voilà, donc c'était notre dernier sac. Donc, Tao, il montre comment il s'est caché ses yeux. Donc, voilà, donc on vous retrouve pour une prochaine vidéo. On espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-nous plein de pouces vers le haut si vous voulez qu'on continue nos vidéos. Vous pouvez nous proposer aussi si vous voulez quelque chose en particulier. Et puis on espère que ça vous aura plu, que vous allez commenter, partager et aimer notre vidéo. Voilà, donc on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. C'est beau. Très bien, reste. Ah, il est trop marrant là.